Wesh, les petits loups, les loups, nous sommes le mercredi 28 et juillet de l'année 2021. Alors, je vais expliquer pourquoi le système actuel, la démocratie actuelle est un leurre grâce à l'œuvre de George Carlin, acteur de One Man Show américain. Il dit en anglais, je vais traduire, il dit « Politicians are just there to give you the idea that you have freedom of choice. » Les politiciens sont juste là pour vous donner l'illusion que vous avez le choix. « You don't have choice, you have owners, they own you. » Vous n'avez pas le choix, vous avez des propriétaires, vous leur appartenez. They have since a long time, they bought the all big media companies, donc ils ont acheté, comme dit Étienne Chouard, les presses télé, les presses papier, les télévisions, les radios. Et they spend billions of dollars, ils ont... dépense des billions de dollars dans les lobbies, dans le lobbying. To tell you what to believe, pour vous dire quoi penser, what to think, quoi croire, plutôt c'est l'inverse, and what to buy, et surtout quoi acheter. Et il dit aussi, people spending money they don't have for things they don't need. Donc les gens achètent des trucs dont ils n'ont pas besoin. Et avec de l'argent qu'ils n'ont pas, donc c'est le système des lobbies qui formatent vos cerveaux, et moi-même j'ai été victime, donc victime d'achats compulsifs dû à un formatage de mon cerveau, puisque j'étais gamin, et que je... enfin gamin, je vais avoir 60 ans, je suis en train de sortir de l'adolescence. Ah oui, d'ailleurs, je finis à mercredi 4 avril, c'était déjà un coin-coin. Un jour du canard. Ah, alors, tous les cadeaux que vous voyez là, que c'est des trucs qu'on m'a offert, je suis allé, comme Emmanuel Valls, je fais un peu un coucou à Philippe Pasco, je suis allé. C'est les chefs d'État africains qui sont venus, qui m'ont offert des cadeaux. Je dis quand même. Quoi dire de plus? C'est donc un coucou à toute la planète Trial. Special thanks to Alex Drone, donc Alexis, qui fait des vidéos avec des drones, donc que j'ai eu au téléphone l'autre jour, et puis et voilà. Et puis vous me manquez, et puis pour l'instant j'ai pas de véhicule, mais c'est très bien comme ça. J'arrive à m'en passer, parce que ça aussi, les voitures, c'était Dominique Holfart qui m'a d'ailleurs initié au Trial, à qui je passe un coucou, président du motoclub de Belfast, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, qui m'avait dit à l'époque déjà, le problème avec une voiture, c'est qu'une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en passer, merci. Donc j'ai fait un site web qui s'appelle stopausaddiction.free.fr. Et donc j'invite toujours le psychiatre. J'ai deux amis dans la vie, et c'est les psychiatres et les banksters. Laurent Carilla, il a établi une liste de 5 addictions potentielles. Donc les jeux, les drogues, et l'alcool, etc. Les trucs. Le tabac, le sucre et les écrans. Et la pire des addictions étant la consommation, et Laurent Carilla, que j'ai été voir en 2019 à la salle Blanche de la Bibliothèque Kléber à Strasbourg, vendait son bouquin à la fin. Donc on ne peut pas prétendre être un spécialiste des addictions si à la fin... le problème de l'addiction, c'est par quoi on va remplacer l'addiction. Ben, généralement, l'addiction se remplace par une autre addiction. Une, par exemple, c'est le tabac. C'est très dur à s'en défaire. Donc, tous les jeunes et tout ça, essayent de ne pas fumer. C'est marqué partout. Donc, les pouvoirs politiques se protègent. Mais, Ouais. On va se lever doucement. Un genou malade et un dos.
une carcasse qui a roulé sa bosse un peu partout. Et puis, à très bientôt pour les prochaines vidéos de Trial. End of.